Les méchants, vous êtes où? J'ai une sur... Enfin, une surprise. C'est déjà à vous, mais... La surprise, c'est que c'est moi qui l'ai. Non, vous... Vous... N'êtes pas là. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh my! Fort utile, je suppose. Il n'y a personne. Personne? Vous me décelez à ce point? Regardons un petit peu la map. Je suis où? Je suis ici. Ouais, je suis ici. Mal, je suppose. C'est ce truc pointé droit sur moi. Bon. Bah, let's go, continue. Salut tout le monde, je suis Ina, la seule et l'unique, et aujourd'hui, maintenant que j'ai une grosse arme, bah il n'y a plus d'ennemis. Dans ce deuxième épisode de Wolfenstein, il semble n'y avoir plus personne. C'est pas grave, on va les chercher, on va les débusquer. Limite. Derrière, il y a un gros point d'interrogation. C'est pas grave, on va faire le tour. C'est lourd. Qu'est-ce que... Une morgue? Sérieusement, une morgue? Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui s'est caché là-dedans. C'est le seul moyen que j'ai de justifier qu'il y ait autant de sang sur cette poignée. Et quasiment pas à côté. Ah, c'est pas grave. Bonjour. Bon, bah, faut vraiment que j'utilise davantage mes grenades. Vous êtes bien tous morts. Je ne vérifie pas. Qu'est-ce que c'est? Médaille d'or. Ok, j'ai atteint la première place. Et genre ça, on se... Non, on se... Bon. C'est pas ce que je voulais faire. Je vous jure, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, d'accord. Tout ça pour un zoom qui n'existe pas. Eh bien, je récupère cette arme-là parce que c'est classe. Ouattatatata ! Eh bien, tout ça ne nous mène à rien. Est-ce qu'on... Il faut qu'on retourne ici. Il y a le C, il faudrait que j'atteigne le D, mais pour le D, il faut que j'atteigne le C. Pour le C, il faut que je passe par le A. Donc c'est tout droit, tout droit, tout droit. Ok. Ou alors je suis très mauvaise. C'est aussi possible. Ouais, je suis trop doué. Ah, messieurs! Je m'inquiétais de votre absence! Je suis ravi de vous voir ici! J'espère que vous mûriez... Que... Je suis en train de mourir. Ouh! Merci de répondre à mes questions. Aïe! Ça fait mal. Ok Blasco, on a réussi à passer. On se rapproche de la paroi de la falaise, juste en dessous de la base du boucher. J'espère qu'on a une corde assez longue pour grimper jusqu'en haut. Cool, moi c'était un petit peu la merde, je vous admets. Faut que j'arrête de mitrailler à tout va sans réfléchir. Sinon j'ai une jolie collection de casques.
Si vous tuez des méchants, vous pouvez vous ramener leur casque. C'est pour ma collection, je vous jure. Bordel. Qu'est-ce que... La petite bouilloire. Avec absolument rien pour faire chauffer l'eau. Pas de réchaud, que dalle. Du pain. Le flingue sur le lit. Je préfère mes doudous, personnellement. Ils sont pas aussi froids, agressifs. Oh, un casque! Une armure, c'est accessoire. Pouf, pouf, pouf. Pouf, 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 pouf. Ici, je suppose. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suppose bien? Je suppose bien. Qu'est-ce que je suis doué? Bon! Personne à gauche. Si, quand même. Excusez-moi, je dois recharger. C'était quoi cette grenade qui a été balancée un petit peu au pif? Bon, il va me falloir un petit poil plus de précision. Voilà, voilà, voilà. Ouais, j'y travaille à mon rythme. Hein? Oh, il y a des trucs. Ça brille! Ça brille! Du soin, des munitions, plus de munitions! Vous êtes sûr que vous savez ce que vous faites? Je me permets d'éprouver des doutes quant à votre capacité à mener une guerre. Bon, ok, les résultats sont de votre côté, mais... Mais quand même, il y a des limites à un moment. Bah. Excusez-moi, je crois que vous avez perdu votre arme, en fait. Où est-ce qu'elle est, la mitraillette? La Galting, le gros machin. Pas le truc qui est là en bas, hein. Ils ont perdu l'arme. Ah, déception. Oh, Bouya! Il va m'en vouloir. Il m'en veut plus, il est pas rancunier. Boup, 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 boup. C'est technique de hit and run. Il est costaud ce machin. Oup, 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 oup. En vrai, j'ai aucune idée de si on peut vraiment le démolir ou pas. Par ici, mon gros. Je sais pas s'il y a un point faible ou quelque chose.
Non, il a l'air d'être incassable ce machin. On va se contenter de l'ignorer là. Hein. Visiblement, ça ne nous mène pas à grand chose. À moins que c'était l'objectif de le dégommer. Non, hein. Non, c'était trop. Trop facile. Inouel Béréchouet. J'ai rien compris. Ça dit probablement des trucs fascinants. Mais comme je n'ai rien compris. Le Führer veut la paix. Berlin, 10 juillet 1946. L'avenir de l'humanité est en jeu. Dans un rare entretien accordé exclusivement à notre journal, notre cher Führer a décidé de l'effort de guerre et des valeurs qui font la supériorité de la race allemande. Il nous a également fait part de sa vision du monde après le conflit. Ne vous méprenez pas. Je veux la paix dans le monde et je suis prêt à me battre jusqu'au bout pour y parvenir. J'ai plus du tout en tête l'accent allemand, donc j'ai l'ai probablement très mal. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Est-ce que c'était un truc secret qu'il fallait faire et que j'ai rien compris, que j'ai tout fait au pif? J'ai réussi ou... Bien, je... C'est pas un point de sauvegarde, ça? Non, on n'est pas dans... Ah, voilà qui me plaît énormément. Oui. C'est pas le pistolet pour silencieux. Permettez, j'étais en train d'essayer des trucs. Ah non, mais je vous jure, j'ai récupéré un silencieux, mais je peux pas l'utiliser ou je suis mauvaise à ce point. On peut avoir un inventaire ou je sais pas. Ah! Ah! D'accord! Nanana. Donc X pour. D'accord, il y a des modes de tir. Ah, intéressant, intéressant. Et donc, les pistolets, voilà. Ah oui. Ah oui. Ah oui, le silence. Blablabla. Faites un peu plus de bruit, je vous ai pas entendu. Il y avait de l'armure qui traînait, un casque. Oups. Hey. C'est moi qui joue avec les grenades normalement. C'est quand vous voulez, messieurs. On n'a pas toute la nuit. Mais... Ah ok, j'ai compris. Ils ont l'air d'être très particulièrement décidés à se tuer eux-mêmes. Est-ce que j'ai un mode de... Ah! Tir alternatif, disais-je, pas du tout. L'efficacité, punaise. Comment ces couillons ont réussi à survivre jusque-là? Lâche ta grenade. Il y avait une grenade en main, pourquoi ça ne fait pas boum? Ah, la déception, je vous jure. Ok, il faut que j'aille où? Par là.
Ok, c'est bon à savoir. N'allons pas par là. Ok, c'est... Achtung, ça veut dire attention. Qu'est-ce que... Des balles. Des... Oh non! Oh non, je peux pas porter ces casques. Nul. La déception. On s'en fiche. Tap, 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 tap. Toc, toc, toc. Il y a des balles. J'ai pris ça. La correspondance. Mais vous avez un casque, je peux pas vous l'enlever. What? Non, il y a un poteau, monsieur. Monsieur, il y a un poteau. Ah, c'est méchant. Non, bon, bah, continuons, c'est de la ligne droite. Et là, il y a un machin. Bonjour, excusez-moi, j'aimerais la place. J'ai un tétrapode. Je t'attire mon chapeau, Blaskovitz. On a mis pas sur la paroi. On sera bientôt à la base. Retrouve-nous. Saloperie, t'as de la chance. Hey, j'avoue qu'on a une vue magnifique d'ici. Mais vous allez me faire le plaisir de vous bouger le cul et de monter cette putain de corde. Ces conversations. Un casque. Po-po-po-po, yo-yo-yo. Qu'est-ce que... Carte mise à jour. Pourquoi il y a des points d'exclamation? Je suis passé à côté d'un truc. Inacceptable. Je sais pas à côté de quoi, mais je suis passé à côté d'un truc. Qui est censé être juste ici. Ça. Et là-bas, il y a un point d'exclamation. Pourquoi t'as un point d'exclamation? Qui me tire dessus? Ah, je... Oui. Je vois. Arrêtez de bouger, vous êtes petit, c'est pas facile de bien vous viser. Un peu en dessous. Mais c'est quoi, c'est méchant? Ils ont pas survécu à ça, non. Non. Quand même. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux. Allez. Chaud. Des munitions, un petit casque, des munitions. Non, personne. Bon bah, excusez-moi. Oh merde, 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 avec les petits, par contre. Je me suis dit, les gros, quand même pas. Quoique, je sais plus. Non, c'était peut-être avec un gros que j'avais essayé de... Que je m'étais dit. De prendre une grenade, de faire « Va chercher !» Venez, je vais vous aider. Merci de l'avoir fait à ma place.
Non, mais ça va, je gère. Putain, il y a un truc là. Puis là aussi. Puis là aussi. Un casque, attends. J'ai pas laissé tomber un casque. Et tout. Non, non, tu regardes du mauvais côté, mec. Mec, je suis là. Allez, aide-moi. Les gars, écoutez-moi bien. Notre petite mission suicide vient de se compliquer. Juste derrière nous, se trouve le pilier de l'armée allemande. Qui sort celui-là? Soldat Gates, au rapport. Bien, et vous et vous alliés, bienvenue sur le front. Prenez ce soldat. Ça fait des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strasser. Une sale blessure, soldat. Soignez-la bien. On élimine le général, on enraye la machine de guerre des Boches. Sinon, c'est eux qui vont nous bouffer. Bon. Ça va, fiston? Non. J'ai les yeux qui piquent, et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? Oui. Je vais t'apprendre un truc. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Compte jusqu'à 4. Hein? Non, non, pas 4. On fait un peu plus en expirant. Donc en vrai, ça fonctionne, ça permet de réguler. On va faire le boulot jusqu'au bout. Bon, allez, on se met en route, allez! Allez, c'est parti! Eh ben, t'es fatigué ou quoi? C'est à la guerre, pas sur les bancs de la messe du dimanche. Allez, debout! Une bonne équipe. Comme un père et son fils. Et là, boum! Ou pas? Capitaine Blazkowicz, Benson, votre mission est simple. Vous grimpez sur ce mur, vous entrez à l'intérieur et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes nazies que vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour vous couvrir. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera. Et on vous rejoindra en haut, dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête. Joli lancé! Joli lancé! Waouh! La verticale comme ça! Ah, c'est classe! Mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui en tout cas. Ouah, les avions! En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à la prochaine. C'est bien, ils m'attendent. Allez, bye bye les gens!